Bonjour à tous, vous revenez avec une nouvelle vidéo qui va être sur les parfums. Et puis, j'en ai plusieurs à vous présenter en ce moment. Alors, je vous ai mis une petite musique d'ambiance pour les parfums. Et voilà, on va commencer avec lui que je vais prendre, celui-ci. C'est celui de Jello, de Jennifer Lopez. Voilà, celui de Jennifer Lopez. Il sent super bon. C'est une de mes amies qui me l'a donné en fait parce que elle, les parfums qui sent fort, elle peut pas en mettre parce que pour elle ça fonctionne pas et pour moi ça fonctionne super bien parce que le parfum à force il est fort mais il diminue pendant la journée et puis ça fait une belle senteur quand même. Voilà. Mais c'est pas mon préféré en fait. Ensuite, j'ai un autre que une de mes amies m'a donné, c'est la Lavida Loca. Voilà, qui est en roll-on, bien sûr. Voilà. Il sent hyper, hyper bon. Voilà, vous voyez, c'est un roll-on. Et c'est super idéal pour mettre dans les sacs à main. Évidemment. Ensuite, j'en ai encore d'autres à vous présenter, fait que là je vais continuer. J'ai mon Secret. Voilà, c'est le rose qui est à la fleur. À la fleur. Et j'ai son jumeau. Ben, sa jumelle qui est Secret to Kiss. Voilà. Vous voyez, il y a des petites lèvres dessus, je sais pas. Dans le milieu, vous allez voir, il y a une lèvre et des petits cœurs. Et celui-là, c'est le original avec des fleurs. Voilà. Avec des fleurs qui sont ici. Voilà. Et puis, j'en ai demandé une troisième et c'est la bleue. Même que je la reçois, je vais vous la montrer. Voilà, c'est mes parfums préférés. Je pense que vous pouvez le voir. Tu sais, j'ai quasiment... une bonne partie d'utiliser dans la bouteille. Et ici, je pense que vous ne verrez pas parce qu'elle est très, très, très opaque. Ensuite, j'ai en ai un autre. C'est mon Nick Magic. Voilà. Lui, il sent hyper, hyper bon. Ouais, hyper, hyper bon. Voilà. Fait que j'ai celui-là. C'est lui. Vous allez voir que le packaging il est plate. Et vous allez voir que tous les packagings sont super beaux. Comme celui-ci, il est super beau, lui aussi. Voilà. Et j'en ai d'autres. Pour lui, pour vous dire que Nick Magic, je trouve que il sent super bon. Vraiment, là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, l'évidence de chez Yves Rocher. Le packaging, il est super beau. Le bout, il est en rose pâle, rose bébé. Et puis, moi, qu'est-ce que je trouve pas pratique, c'est que il est pas en pompe. C'est vraiment, là, pour ça, je suis super, super déçue. C'est, il n'y a pas de spray. Alors, pour moi, je suis super déçue. Ensuite, j'ai bien sûr mon excentrique, qui est un de mes préférés aussi. Voilà, vous allez voir que le packaging est super, super beau. Voilà. Ah, lui, il sent super, super bon. Puis, c'est sûr pour une personne qui aime pas les senteurs trop fortes de fleurs et tout, je vous le conseille pas. Si vous aimez pas les odeurs trop fortes, dans le fond, il y en a qui peuvent vous convenir. En fait, celle-ci peut vous convenir. Si vous aimez les fleurs, puis que vous recherchez quelque chose de moins fort, ben prenez celui-là qui vous les achetez chez Avon, voilà. Et
Lui m'a coûté 15, je pense. 15$, lui m'a coûté 10. Puis l'autre va me coûter 10$, mais il va être bleu. Alors j'ai hâte de voir. Cette gamme-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mon Petal Pop. Voilà. Je pense que je vous l'ai présenté dans un de mes favoris, je crois. Et puis voilà. Vous allez voir que il est super. Vous allez voir qu'il ressemble à un gros diamant. Lui aussi, il est pas mal fort au tout. Ce parfum est quand même assez fort. Mais durant la journée, il s'adoucit. Et puis, il est très, très agréable à porter. Vous sentez super bon pendant des heures de temps. Alors, on continue avec le dernier parfum que j'ai. Et bien sûr, c'est Sweet Honesty de chez Avon. Voilà. Voilà, il sent hyper, hyper bon. Voilà. C'est ça. Et puis, c'est le préféré de ma maman. Elle adore et tout. Il y a le baume. Ouais. Bon, il y a le beurre corporel, il y a la poudre aussi. Il y a vraiment de tout de cette gamme-là. Et ma maman l'adore vraiment beaucoup. Et puis, je l'adore aussi, mais lui, je l'économise parce que, voyez, c'est vraiment une belle bouteille. Vous avez des cristaux en rose et vous avez le bouchon qui est rose bébé. Et vous allez voir, vous voyez blanc, mais il est rose bébé. Voilà, c'est fait pour cette vidéo-là. J'espère que vous allez apprécier. Des pouces en l'air, s'il vous plaît. Des abonnements. Et puis, je pourrais vous faire d'autres vidéos que je pense faire. Vous parler de mes talents, ou des tags, ou le top 5 de mes youtubeuses préférées. Et je crois que c'est celle-là que je vais vous faire aujourd'hui même, parce que je passe tout de suite parce que j'ai le temps. Demain, je recommence l'école, évidemment, et c'est pour ça que je pourrais vous faire une journée, je vais vous faire une tuto coiffure que je vais peut-être essayer de faire aujourd'hui parce que j'ai envie de me coiffer évidemment. Et sur ce, je vous laisse avec d'autres nouvelles vidéos. À tout à l'heure.